Coucou, bonjour à tous. Nouvelle vidéo dédiée à Jenkins. On est à la 11e vidéo. On a vu comment on pouvait, dans les précédentes vidéos, utiliser le plugin Jenkins pour tirer des modifications d'un repo Git ou GitHub ou GitLab même vers notre outil de build, notre job, et faire en sorte que dès qu'il y a un nouveau commit, d'ailleurs, on ait un trigger qui scrute ça et qui lance le build en question. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire dès lors qu'on build et qu'on a un succès, on va vouloir pousser sur notre dépôt quelque chose. Donc un push automatique. Donc pour faire ça, on va définir des crédentials. On va dire, OK, si le build est avec succès, on va pousser un nouveau tag. Nous, dans notre exemple, on va utiliser un tag, mais on peut aussi le faire avec les branches, Git. Donc un tag, c'est assez logique, puisqu'en fait, on va dire, voilà, on va checker si une version est up to date, et elle est fonctionnelle, elle a été testée, et si elle est bonne, on va la taguer. Pour faire ça, on va rajouter juste deux lignes dans notre build. Là, c'est un peu exceptionnel, puisque normalement, au niveau du Jenkins, si vous avez un Git qui fonctionne et qui est bien configuré, vous n'avez pas besoin de définir le user email et le username. Ça, je vous invite à aller voir les vidéos dédiées à Git pour comprendre à quoi on se réfère. Et puis, donc si on est avec succès, on va dire, voilà, après le build, qu'est-ce que tu fais? On va faire un push avec un tag qui va contenir $ le numéro de build. Donc ça, c'est un ID. Il existe pas mal de variables internes à Jenkins. On a build underscore ID, on a d'autres variables, ça vous pouvez les retrouver assez facilement. On va taguer un message et puis on va dire, voilà, tu crées un nouveau tag et tu updates ce nouveau tag. Voilà. Faut pas oublier de définir, on va le voir, le target remote name pour pouvoir fonctionner. Donc on va retourner sur notre Jenkins, on va réutiliser ici le trigger, le git trigger qu'on a utilisé dans la précédente vidéo. On va aller le configurer. On va aller. Donc j'ai été supprimé déjà, je crois, le trigger qu'on avait ici, qui était l'outil de scrutation de Git. On n'en a pas besoin dans le cas de figure. Ici, on va aller définir une crédentiale. On était à aucun. Moi, j'ai défini celle que j'ai déjà utilisée. Que j'ai déjà. Quoi, j'utilise celle que j'ai déjà définie, pardon. Je clique sur Ajouter si j'en ai pas défini. Je clique sur Jenkins. Et là, vous voyez qu'on va définir un nom pour cette crédentiale. Quoi, non. Un nom d'utilisateur, un login, un mot de passe. Et un nom pour cette crédentiale qu'on va pouvoir utiliser. On peut aussi lui mettre une petite description, puisqu'en fait, ces crédentiales sont partagées au niveau de l'ensemble du Jenkins. Du coup, ça veut dire que pour d'autres jobs, on pourrait réutiliser cette crédentiale pour accéder à notre dépôt. Ici, si on clique ici, on va aller définir les ref spec. Donc, on va dire mon repo ici. Hop, on va le mettre. Alors, j'ai un doute à chaque fois, je crois que c'est ça comme ça. Ensuite, on va aller modifier notre script. Donc, on a dit qu'on lui rajoutait hop, ceci. Voilà, hop. Hop, je retourne là. Toc. Youp. Ici, ok. Et ce qui est plus intéressant, c'est l'action à la suite du build. Donc ici, on clique ici et on a pas mal d'actions qui sont disponibles. On va cliquer sur Git Publisher. On dit que on publie uniquement si on a un build avec succès. On add nous un tag dans notre cas. On a dit un tag qui se nomme. On va le nommer autrement. On va dire Jenkins underscore. On a dit $build. Underscore ID, ok, et ici on dit Jenkins build, ok, on coche ici, ici, on a dit qu'on veut créer un nouveau tag, qu'on le pousse et le target ici c'est mon repo. On sauvegarde tout ça, on lance notre build, donc on va avoir le numéro 6 qui se lance. Alors ouais, ça j'avais eu un doute. Youp, à chaque fois j'inverse les deux. Ici c'est
le nom du repo qu'il faut définir et pas le ref spec. Je ne sais pas pourquoi je le fais à chaque fois. Et je lance le build. Donc là, on a le numéro 7 qui va se lancer. Ici, il a été exécuté. Quoi, il est en cours d'exécution. Et il a été exécuté avec succès. Donc là, très bien. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon dépôt ici, donc ce que j'avais avant, si je clique ici, j'avais des, vous voyez, j'avais pas de tag avec Jenkins tiré quelque chose. Si je rafraîchis mon dépôt Git, je clique sur tag. Alors, il faudrait que je descende un petit peu. Voilà. Et donc là, j'ai un Jenkins underscore tiré 7. Si je relance mon build, je vais avoir le 8 qui va se lancer. Hop. Je retourne ici, je rafraîchis, hop, je vais dans mes tags, et là j'ai le Jenkins 8 qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est assez cool parce que vous voyez que on va pouvoir faire une suite d'actions dans notre, build. On va pouvoir checker un ensemble de choses, et si on considère que l'état est suffisant, bah, on va pouvoir versionner notre binaire, notre commande, notre exécution en question sur notre dépôt pour pouvoir stocker le code qui a été exécuté et considérer qu'il est correct avec un numéro de version. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur XavKey.